Today's Vegetarian Elite will be presented in French with subtitles in Arabic, Balassese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Mais c'est aujourd'hui que je voulais inspirer les gens. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à l'émission Élite végétarienne. Cette semaine et la semaine prochaine, nous aurons l'honneur de vous présenter le plus célèbre comédien végétarien du Québec, M. Joël Lejean. Au cours de cette émission spéciale de deux parties, M. Lejean nous révèle comment il est devenu aussi beau que charmant. Et la journée où j'ai arrêté de manger de la viande, tout ça a disparu. Je suis devenu un beau, grand jeune homme incroyable. Comment il a réalisé son rêve en animant le Téléthon Opération Enfant Soleil au cours des 10 dernières années. Et la première fois que j'ai été sur le plateau d'Opération Enfant Soleil, j'ai dit, je fais exactement ce que je voulais. Je suis un missionnaire comédien. Et à quoi ressemblerait un monde parfait selon Joël Lejean? Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière m'inonde. Personne profondément dévoué en tant que parent et champion des causes dédiées aux enfants, il n'est pas surprenant que l'ascension fulgurante de M. Lejean ait débuté en animant des émissions populaires pour enfants. Depuis, il est apparu dans de nombreuses autres émissions de télévision, pièces de théâtre et comédies musicales telles que My Fair Lady et Grease. Récemment, il a animé 4 saisons consécutives de la très populaire émission de télé-réalité Occupation Double et poursuit maintenant avec l'animation de l'émission hebdomadaire Le Téléphone et du jeu télévisé Paquet Volant. Il excelle également comme chroniqueur et comme metteur en scène et a fait en 2005 une apparition marquée en tant que professeur de diction à l'émission la plus écoutée au Canada, Star Academy. Vous pouvez également l'entendre tous les matins comme animateur à la deuxième plus importante station de radio francophone au Québec, Rock Détente. J'ai fait le tour du salon, comme tout le monde qui est ici, le salon Expo Manger Santé. Je suis tombé en amour avec une petite fille de 11 ans qui s'appelle Elisabeth et qui travaille aujourd'hui, qui fait vraiment des démonstrations et qui vend des produits. Emergency, bonjour! Salut! Ça va bien? Oui! Hey, Elisabeth, tu as fait ça tout le week-end jusqu'à aujourd'hui? Ben, j'ai fait ça, regarde! Alors, c'est quoi ton produit, Emergency? C'est, ben, de l'acide que tu mets dans l'eau, oui. Puis là, ben, émergent. C'est des vitamines? Oui. De la vitamine C? Oui. Et B. La vitamine C et B. Et en quoi c'est meilleur que la vitamine? Ben, parce que c'est bon. Ben, t'es mignonne. Est-ce qu'on va ressembler à toi si on prend ces vitamines? Ben, c'est sûr! Ah, super! Ses talents de maître au théâtre et à la télévision lui ont valu de doubler les voix d'acteurs d'Hollywood tels que Leonardo DiCaprio dans Titanic et Chris Rankin dans Harry Potter à l'école des sorciers. La compagnie Disney a même insisté pour que ce soit M. Joël Lejean qui double la célèbre voix d'Aladdin en français. Il a aussi participé au doublage des autres succès de Disney, Hercule et Mulan. En 2008, lors d'un grand moment télévisuel, M. Lejean a interprété en duo avec la légendaire chanteuse québécoise Mme Ginette Renault le classique Un peu plus haut, un peu plus loin à l'émission L'heure de gloire, dont il a d'ailleurs remporté les honneurs. Il a également été couronné vainqueur de l'édition 2009 du Match des étoiles, l'équivalent québécois de Dancing with the Stars.
c'est un milieu assez exceptionnel, le milieu du show business, parce que les gens sont très ouverts. Donc, quand tu arrives, tu dis que tu es végétarien, la plupart du temps, même sur un plateau, il y a toujours un plat qui est végétarien. Parce que c'est un milieu qui comporte quand même pas mal de végétariens, ou comme j'appelle, des végétariens à temps partiel, donc des gens qui mangent quand même pas beaucoup de viande, mais qui se nourrissent surtout du végétarisme. Il est difficile de trouver plus polyvalent et plus énergique que M. Lejeune sur la scène artistique du Québec. Il est né dans la pittoresque municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte, dans le sud-ouest du Québec, là où la population oscille autour de 1500 hommes. Il a grandi sur une ferme d'élevage et c'est là qu'il a développé son amour pour les animaux et a réalisé qu'il serait végétarien à vie. Bien, quand on est né sur une ferme, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est-à-dire que pour un enfant, une ferme, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que c'est la liberté. Donc, j'ai pu développer mon imaginaire et je l'ai beaucoup fait avec les animaux. Il y avait toujours un petit cochon dans une portée que j'adoptais et ce petit cochon-là devenait mon chien. Donc, il se promenait avec moi partout sur la ferme. Donc, j'avais des oies, des canards, j'élevais des lapins aussi. Il y avait des chats parce qu'on avait 3000 poulets, 13000 cochons. Il y avait des hirondelles, il y avait des pigeons. J'ai baigné par les animaux. Et chaque animal me servait dans la pièce de théâtre que je montais à peu près une fois par semaine. Donc moi, au lieu d'avoir des amis humains, parce que sur notre rang, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de mon âge, j'avais des amis animaux. On avait deux chevaux aussi, mon père adorait les chevaux, donc veux pas, ça transmet à l'enfant le respect de l'animal aussi, puis la beauté de l'animal. Donc c'est comme ça que j'ai développé mon amour pour les animaux. Donc j'ai grandi en comprenant que l'animal qui se retrouvait dans mon assiette, il y avait un nom, il y avait une personnalité. Dans ma tête, il parlait avec moi, il dialoguait. Alors, ça n'a pas été long que j'ai mis une croix là-dessus, puis je ne voulais pas manger de la bête que je connaissais. Bien que M. Legendre ait développé son amour pour les animaux dès sa tendre enfance, le végétarisme était encore très peu connu à l'époque. Ses parents le forçaient donc à manger de la viande et sa santé s'en trouvait affectée. De par son expérience personnelle et ses connaissances, après avoir été végétarien depuis plus de 25 ans, M. Legendre est convaincu qu'une diète à base de végétaux est le régime le plus approprié pour tout le monde, y compris les enfants. À 16 ans, quand j'ai pu enfin devenir végétarien, là, j'ai décidé de l'être. Quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai vraiment décidé que c'était terminé, que j'allais manger ce dont mon corps avait besoin et je savais que j'avais pas besoin de viande. Tu savais déjà à cet âge-là? Ah oui, je savais à l'âge de 5 ans que j'avais pas besoin de viande pour me nourrir. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis vraiment constitué pour être végétarien parce que toutes les années où j'ai mangé de la viande, j'étais un enfant assez chétif, assez frêle, souvent malade, problèmes gastriques et tout ça. Et la journée où j'ai arrêté de manger de la viande, tout ça a disparu. Je suis devenu un beau, grand jeune homme, incroyable. Oui. Mais je ne savais pas que ça me rendrait plus en santé d'arrêter de manger de la viande. Moi, tout ce que je voulais, c'était de me coucher le soir et de me dire « Ah, j'ai pas tué de cochon aujourd'hui, j'ai pas tué de vache aujourd'hui, j'ai pas tué de poulet. » Je me dis encore ça aujourd'hui. C'est peut-être un peu enfantin ou innocent comme réflexion, mais le soir, quand je me couche, je me dis « Ah, pas tué personne, moi, aujourd'hui. » Tu te couches l'âme en paix. Oui, l'âme en paix, vraiment. Nous serons de retour dans quelques instants afin de connaître les secrets de M. Legendre pour propager le végétarisme autour de lui. Vous regardez l'émission « Élite végétarienne » à l'antenne de Supreme Master Television. Alors, il y a comme une culpabilité maintenant qui s'est installée parce que faut vraiment pas vivre sur la planète pour pas avoir vu la cruauté qu'on exerce envers les animaux. Quand tu manges un cochon, ben le cochon, ça y prend peut-être un 12 heures d'agonie avant de mourir et de se retrouver dans ton assiette. Donc, tu peux pas faire comme si tu le savais pas parce que maintenant on a vu ça puis on en parle beaucoup.